monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette 22e semaine de grossesse. Votre bébé ressemble à ceci. C'est un bébé qui mesure 28,9 cm et qui pèse 501 grammes. On est bientôt au kilo qui va arriver. Pour les références, c'est les mêmes que la semaine dernière. Donc, c'est un petit chiot, une tarte aux fruits et une petite aubergine pour le fruit. Une aubergine au sage et aubergine. Avec des framboises. D'accord, avec des framboises. On passe aux symptômes de cette 22e semaine de grossesse. Et il y a tout d'abord la fatigue et les nausées. Hein, on connaît, on le sait maintenant. Les seins qui ont doublé et voire triplé de volume. Vu qu'on a la poitrine qui grossit, il y a aussi le mal de dos pour certains, ce que je peux comprendre. Moi, ça n'a pas été tant que ça le cas. Et bien sûr, les mamelons qui se sont assombris. Et c'est le cas pour moi pour cette semaine. Sachez qu'à la fin de cette semaine, votre bébé aura 50% de chances de survie s'il naît prématurément. La semaine dernière, je devais vous parler du diabète de grossesse et j'ai complètement oublié. Donc, le diabète de grossesse, pour l'instant, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on m'a prescrit une prise de sang. Donc, je dois boire un truc assez hyper sucré et faire une prise de sang toutes les heures pendant 3 heures ou pendant 2 heures. Et en fait, on va voir comment mon corps élimine le sucre. Donc voilà pour ce diabète de grossesse et puis je vais bientôt savoir si je l'ai ou pas. Je croise vraiment les doigts pour pas l'avoir parce que c'est vraiment un inconvénient de ce que j'ai pu voir au niveau des vidéos sur YouTube. Enfin, il y a des piqûres, il y a une façon de manger et franchement c'est... j'ai pas du tout envie de passer par là, tout simplement. Donc voilà pour cette 22e semaine de grossesse, on se retrouve pour la 23e et je serai enfin à jour et c'est trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, je vous fais à tous de très gros bisous puis on se retrouve pour la 23e, gros gros bisous. Voici font les petites marionnettes, ainsi font et puis ça va.